Bonjour à toutes et à tous. En tant que président du réseau GESAT, il me revient le plaisir de vous accueillir. Je suis ravi, nous sommes a priori très nombreux et merci de votre intérêt pour cette présentation de la 4e édition de notre observatoire économique des achats responsables. Merci beaucoup. Merci à ton équipe. Denis est à côté de moi, Denis Charrier. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Vous avez déjà vu un petit film qui vous présentait les grandes lignes. Mais il y a beaucoup de matière dans ce que l'on a fait dans cet observatoire. Donc il fallait synthétiser, il faut choisir quelques informations pour préparer l'action. Vous allez retrouver évidemment tout ce qui porte les dynamiques de responsabilité sociétale et qui sont l'ADN de nos ESAT et de nos EA et qui ont déjà montré, je crois, aux acheteurs qui sont présents dans cette présentation qu'ils pouvaient nous faire confiance. Mais il faut certainement que cette offre soit encore plus complète. Est-ce que c'est ce que nous allons faire, car cette dynamique de responsabilité sociale et environnementale, nous l'avons dans notre projet associatif et nous voulons l'appliquer sur le terrain, en particulier dans les territoires qui nous font confiance. Donc merci beaucoup, c'est dans ce contexte que je laisse sans plus attendre la parole à Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, qui nous a fait le plaisir de nous adresser un message d'entrée de jeu dans cet observatoire. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, chers adhérents, cet Observatoire économique national des achats responsables du GESAT arrive à point nommé, et ce, à plusieurs titres. D'abord, il entre en parfaite résonance avec les travaux en cours sur le projet de loi Climat et Résilience, et notamment ses dispositions relatives à la commande publique. Sans entrer dans les détails de la construction de la loi, parlementaires et gouvernement œuvrent actuellement pour intégrer une dimension sociale et environnementale dans la commande publique. Le souhait du gouvernement est clair, réussir le pari de faire de la commande publique, enfin, un levier de transition écologique et solidaire, tout en ne fragilisant pas le droit de la commande publique, qui se doit d'être robuste et avec l'objectif d'aboutir à des dispositions opérantes et efficaces. L'efficacité, elle se justifie au regard des opportunités qui existent sur le terrain. Votre réseau prouve que ces opportunités sont nombreuses, dans plus de 200 filières métiers dans chaque région au plus près de la demande. Il y a la loi, mais il y a surtout la pratique. Et je crois pouvoir dire que nous sommes aujourd'hui face à un alignement des planètes pour que les achats responsables dépassent le seul enjeu de réputation. Dans cette optique, le plan national des achats durables, PNAD, est une véritable feuille de route nationale, révisée régulièrement pour s'adapter au changement des pratiques. Il porte des objectifs ambitieux afin d'accompagner les acteurs et favoriser le dialogue entre tous ceux, et ils sont nombreux, qui travaillent à promouvoir et à mettre en œuvre des politiques d'achat durables sur les volets sociaux et environnementaux et aux échelons nationaux comme locaux. Il doit également permettre de suivre et d'évaluer collectivement avec l'ensemble des acteurs concernés et à intervalles réguliers notre stratégie et son déploiement en matière d'achat durable pour la faire évoluer le cas échéant. Ce projet a été mis en consultation la semaine dernière. Les données de votre observatoire offrirait vraiment des clés d'information majeures, des clés de compréhension très utiles pour les acheteurs. C'est l'une de leurs demandes récurrentes. Enfin,
le 31 mars dernier, le médiateur des entreprises, l'excellent Pierre Pellouzet, m'a remis un rapport d'évaluation pour le développement du label achat responsable, dans lequel il formule pas moins de 39 recommandations pour accompagner le développement de ce label. Je ne vais pas toutes vous les énoncer, même si elles sont toutes justifiées, mais j'en retiendrai une qui me tient à cœur, l'exemplarité de l'État. Je souhaite vraiment engager les ministères sur la voie de la labellisation, car nous ne pouvons nous satisfaire d'être de mauvais élèves. De multiples voyants sont au vert pour accroître les collaborations entre les entreprises adaptées, les ESAT et d'autres structures de l'ESS et les organismes publics et entreprises privées. Je suis et je resterai donc très attentive à ce que cette dynamique dure et perdure. Merci à vous. Continuez à observer. J'ai besoin de vous et à votre disposition. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce rendez-vous. Je suis Denis Charrier, je suis le directeur général du réseau GESAT. Le réseau GESAT est particulièrement fier cette année de vous présenter les résultats de la 4e édition de son Observatoire économique national des achats responsables auprès des ESAT et des EA. Pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail autour de ce projet. Ensuite, parce qu'on constate une forte mobilisation autour de cette 4e édition. La matinée que nous vous proposons aujourd'hui a suscité l'intérêt de près de 500 personnes. Vous êtes près de 500 à vous être inscrits à la présentation des résultats de cette 4e édition. La mobilisation, c'est également à travers le nombre de répondants. Pour vous produire le livrable 4e édition, le réseau GESAT a traité les réponses de 856 personnes, des ESAT et des EA, et des entreprises privées, des organismes publics. C'est 30% de répondants en plus comparé à la 3e édition. Pour obtenir un maximum de réponses cette année, nous avons eu naturellement recours à des campagnes d'emailing et nous avons également fait appel au service de l'entreprise adaptée Handicall, qui a réalisé pour nous une campagne d'appel sortant. La mobilisation, c'est également tout un écosystème qui s'est constitué autour de ce projet. Je remercie en particulier les partenaires financiers sans qui ce livrable n'aurait pu voir le jour. BPI France, CGI, Decathlon, Manpower, les mutuelles Intégrance, Delos API 78, le GIAC 62 et GESFORM. Nous avons également bénéficié du soutien institutionnel d'acteurs tels que l'AGFIP, le Conseil national des achats, l'UNAPI et le Club Être. À noter que le magazine Être, dans son numéro de cet été, a réalisé un dossier spécial sous-traitance au secteur du travail protégé adapté qui se fait l'écho de notre observatoire. À l'issue de la présentation de ce matin, nous vous adresserons l'observatoire, la 4e édition de notre observatoire dans son intégralité. Et nous vous adresserons également en exclusivité le dossier spécial réalisé par le magazine Être, donc dédié à la sous-traitance. D'un côté, avec des retours opérationnels et terrain qui donneront du corps à une réalité et à des données chiffrées issues de notre observatoire. Avant de passer à l'agenda de notre matinée, je tiens à vous faire savoir et à souligner que l'ensemble de l'équipe du réseau GESAT s'est mobilisée sur cette 4e édition. Toutefois, je tiens à adresser mes félicitations particulières à Aurélie Berlioz, qui est responsable du pôle ESATEA, et Eva Perret, responsable communication, qui toutes deux ont géré ce projet d'une main de maître. La matinée est organisée en trois temps et sera animée par Aurélie Berlioz, responsable du pôle ESATEA, Fabrice Loire, responsable du pôle partenaire privé et public. Trois temps forts. Le premier temps, des chiffres clés issus des réponses des prestataires ESATEA avec une interview de Patrick Vincent, vice-président de l'UNAPI. Deuxième partie, les résultats issus des clients privés et publics des prestataires ESATEA, animés par Fabrice avec deux interventions, Nathalie Leroy, déléguée générale du Conseil national des achats, et Emmanuel Perret, directeur du Club Être. Troisième partie de cette matinée, des pistes pour aller plus loin avec l'intervention de Monsieur Merapti de l'AGFIP. Les 15 dernières minutes de cette matinée seront dédiées à une session de questions-réponses. Je vous invite à poser tout au long de cette matinée vos questions dans le chat.
Une personne du réseau GESAT en régie sélectionnera quelques questions auxquelles nous répondrons à l'issue des présentations. Pour toutes les autres questions auxquelles nous n'aurons pas apporté de réponse, sachez que nous y répondrons directement par mail dans les prochains jours. Merci et excellente présentation. Je laisse dès à présent la parole à Aurélie Berlioz. Alors, bonjour à tous. Du côté des prestataires ESAT et entreprises adaptées, que s'est-il passé ces deux dernières années? Quelle est leur situation financière et économique? Et puis, comment ont-ils été impactés aussi par la crise de la Covid? C'est à ces questions, du coup, qu'on va s'intéresser dans ces premières parties. En guise de préambule, quelques éléments de contexte. Sachez qu'aujourd'hui, les ESAT et les entreprises adaptées, c'est plus de 2250 prestataires présents partout en France, avec un maillage du territoire très fort, puisqu'on compte un prestataire toutes les 16 communes. Les ESAT et les EA se reposent aussi sur le savoir-faire de plus de 150 000 professionnels en situation de handicap qui interviennent au quotidien sur une offre de services composée de plus de 200 filières métiers. Donc, on est sur une offre vraiment très diversifiée d'une structure à une autre. Et puis, si on s'intéresse au profil type de ces prestataires, sachez qu'en moyenne, un ESAT compte 90 travailleurs en situation de handicap, est positionné sur cette filière métier et réalise un chiffre d'affaires annuel moyen d'un million d'euros. Côté entreprise adaptée, on compte 44 salariés en moyenne. Les EA sont positionnés en moyenne sur 5 filières métiers et réalisent un chiffre d'affaires avoisinant les 1,2 million d'euros à l'année. On va passer maintenant à la santé financière des ESAT et des EA. Vous le savez peut-être, depuis quelques années, les ESAT et entreprises adaptées étaient dans une dynamique de croissance de leur activité, de leur chiffre d'affaires. Cette dynamique a été rompue, en tout cas stoppée par la crise de la Covid, puisqu'on constate moins 62 points de croissance de leur activité, de leur chiffre d'affaires sur l'année 2020 par rapport aux deux années précédentes. Dans 98% des cas, les acteurs du secteur nous confirment que cette situation est directement imputable à la crise de la Covid plutôt qu'à d'autres difficultés qu'ils auraient pu rencontrer, économiques, positionnement sur le marché. Donc on constate cette baisse de l'activité qui est aussi pas propre aux acteurs du secteur, qui a impacté aussi différents autres acteurs économiques. Mais il faut regarder aussi les choses un peu plus finement parce que suivant les secteurs d'activité sur lesquels sont positionnés les ESAT et entreprises adaptées, n'ont pas été impactés de la même manière. Il y a des secteurs qui ont été fortement impactés, on pense notamment à la restauration, à l'événementiel, et puis d'autres qui, sur l'année 2020, ont aussi cru. On pense notamment à la sous-traitance pharmaceutique ou encore à la logistique. Malgré cette baisse globale d'activité, on constate aussi que les acteurs du secteur ont réussi à maintenir une rentabilité puisqu'ils sont quand même 73% à avoir fini et clôturé l'année 2020 avec un résultat positif. Ce chiffre est vraiment à mettre au regard au fait que la baisse d'activité a aussi généré une baisse des dépenses. Et puis, on peut saluer aussi les aides de l'État qui ont permis, comme pour d'autres acteurs économiques, de jouer un rôle d'amortisseur. Au final, les prestataires ESAT entreprises adaptées en 2020 ont généré un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros. Alors, une autre dynamique, cette fois-ci qui n'a pas été stoppée par la crise de la Covid, c'est celle de l'investissement et de la professionnalisation. Sachez que 77% des ESAT et entreprises adaptées ont réalisé des investissements ces deux dernières années. C'est moins 10 points comparé à 2018, donc c'est une baisse qui est relativement faible au regard du contexte. Et puis, c'est des investissements qui sont quand même conséquents, puisque 41% des ESAT et entreprises adaptées nous disent avoir investi plus de 100 000 euros ces deux dernières années. Quels sont les trois objectifs prioritaires sur lesquels ont investi les ESAT et les EA? D'abord, c'est la qualité et l'innovation. Il y a quand même 7 structures sur 10 qui ont investi dans le renouvellement de leur appareil de production. C'est également une structure sur 2 qui a investi dans la formation métier, la formation professionnelle de ces travailleurs en situation de handicap, qui est un leitmotiv extrêmement fort au niveau du secteur. Et puis, c'est également une structure sur 3 qui investissent dans sa démarche commerciale et marketing, soit en investissant dans des outils type CRM, site e-commerce, soit également en formant ses professionnels. Donc, on constate que les ESAT et les EA ont pris un virage pour aussi mieux se positionner sur leur marché. Maintenant, un autre chiffre intéressant, c'est le chiffre de 62%. C'est 62% des ESAT et entreprises adaptées qui se sont lancées dans une nouvelle activité ces deux dernières années. C'est un chiffre extrêmement important.
C'est un chiffre qui résonne avec l'ADN des ESAT et des EA qui sont en capacité d'être agiles et de s'adapter à la demande de nouveaux clients et puis également à la demande de travailleurs en interne qui souhaitent se positionner sur de nouveaux parcours professionnels. C'est plus 12 points par rapport à 2018. Donc là, on constate que la crise de la Covid a aussi joué le rôle de propulseur sur la création de ces activités, puisque c'est pas moins de 24% des créations qui ont concerné directement des réponses aux enjeux liés à la crise sanitaire. Et puis, on continuera à surveiller demain l'offre de services des ESAT et des EA, puisqu'ils sont déjà 59% à prévoir de créer de nouvelles activités ces deux prochaines années. Alors, maintenant, on va vous proposer cette matrice qui propose une vision dynamique de l'offre de services des ESAT et des EA. Vous retrouvez ici les 14 pôles de compétences sur lesquels sont positionnés les ESAT et les entreprises adaptées. Pour vous donner des clés de lecture, plus vous allez vers la droite de cette matrice et plus vous êtes sur des pôles de compétences sur lesquels de nombreux ESAT et EA sont positionnés. Et plus vous montez dans la matrice et plus vous êtes sur des pôles de compétences sur lesquels ces dernières années, les ESAT et entreprises adaptées ont proposé de nouvelles solutions, de nouvelles activités. Alors, si on s'intéresse au segment plutôt à droite et en haut, on retrouve notamment conditionnement, logistique, transport, on retrouve les productions industrielles, on retrouve entretien et nettoyage. Donc, c'est des activités qui, à la fois, ont la caractéristique de positionner de nombreux ESAT et entreprises adaptées, et puis également qui ont été très dynamiques ces deux dernières années. La logique de développement qu'on trouve dans ce segment, c'est que c'est une offre de service avec des compétences historiques des ESAT et des EA, qui de fait est bien connu des entreprises qui viennent régulièrement faire de nouvelles demandes aux ESAT, aux entreprises adaptées sur ces pôles de compétences, ce qui va venir finalement stimuler aussi la création de nouvelles activités, comme c'est le cas par exemple dans la logistique ou dans le e-commerce, avec de nouvelles solutions qui sont proposées par les acteurs du secteur pour répondre aux besoins des entreprises, ou alors venir consolider une offre existante, comme dans l'entretien et le nettoyage, pour venir renforcer des équipes face à une demande qui est croissante. Si on s'intéresse maintenant au segment en haut à gauche, avec des activités aussi dynamiques, on retrouve notamment l'artisanat, la production alimentaire, la restauration, l'hébergement et les services touristiques. Là, on est dans une autre logique de développement, c'est plutôt des activités qui sont proposées en B2C, avec aussi cette capacité des acteurs à avoir répondu à des enjeux locaux, une volonté notamment des concitoyens de mieux consommer, avec la relocalisation de production, notamment artisanale et alimentaire, donc pouvoir vraiment répondre à cet enjeu. Et puis un autre enjeu qui est le vivre ensemble, avec la mise en place de lieux ouverts sur le public qui favorisent aussi la mixité et la diversité. Donc on voit aussi cette capacité des ESAT et des EA à répondre à des enjeux territoriaux, avec la porosité qu'ils ont aussi sur leurs activités, à pouvoir placer au centre les intérêts de l'humain. Et puis, nos derniers segments, on retrouve quand même la moitié des pôles de compétences, hein, ce qui montre aussi toute la diversité et puis l'émulation hein, qu'il y a dans l'offre de services des ESAT et des EA. On retrouve notamment les pôles de compétences impression, marquage et reprographie, sur lesquels il y a beaucoup de mutations aujourd'hui de l'offre hein, pour répondre à des changements de pratiques au niveau des clients avec la digitalisation des documents commerciaux ou administratifs. On retrouve bien sûr la gestion des déchets et l'environnement, qui est une préoccupation tant pour les collectivités que pour les entreprises. Et puis on retrouve aussi les services numériques, alors qu'il y a aujourd'hui un petit pool de compétences au sein du secteur, hein, 2%, mais qui est en très très fort développement ces dernières années. Et puis on retrouve également d'autres secteurs d'activité, la communication et le marketing, les services généraux, les prestations administratives, et dans une moindre mesure aussi le BTP. Ils sont aussi des pôles de compétences sur lesquels régulièrement les ESAT et les EA développent leur offre de services, proposent de nouvelles capacités de conseil et de nouvelles prestations sur mesure. Donc, c'est aussi des pôles de compétences sur lesquels vous pouvez solliciter vos prestataires ESAT et entreprises adaptées. Alors, je vous propose maintenant qu'on fasse une première pause. On va accueillir notre premier intervenant, Patrick Mincent. Patrick, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous avez le temps de connecter votre micro? Je vous laisse le temps de nous rejoindre.
On va prendre quelques petites secondes dans le temps que vous puissiez nous rejoindre et déconnecter votre micro. Voilà, ça y est, j'ai mon micro, excusez-moi. Bonjour Patrick, merci de nous avoir rejoints. Patrick Vincent, vous êtes vice-président de l'UNAPI. On le rappelle, l'UNAPI, c'est une union nationale qui regroupe plus de 500 associations, plus de 3000 établissements qui accompagnent au quotidien des personnes en situation de handicap. Et puis, parmi ces établissements, vous comptez plus de 700 ESAT et entreprises adaptées. Hein, c'est extrêmement conséquent sur l'ensemble du territoire. On est ravis de vous accueillir pour cette interview. On souhaitait échanger avec vous sur la situation financière des ESAT et des OA. Je rentre directement dans le vif du sujet. On l'a vu dans les slides précédents, on a une baisse de l'activité hein, côté ESAT et entreprises adaptées, comme ça a été le cas pour d'autres acteurs économiques. Comment est-ce que vous voyez l'impact financier et économique de cette crise sanitaire auprès des ESAT et des OA en 2020 et comment est-ce que vous voyez cette sortie, enfin le rebond peut-être en 2021, comment vous observez cette reprise en tout cas sur cette nouvelle année? Oui, bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir dans cette réunion qui reçoit tant de participants. Alors évidemment, enfin tout le monde a vécu de plein fouet l'impact de la crise sanitaire et vous le rappeliez tout à l'heure, même si, enfin si l'année 2020 c'est finalement pas si mal passé que ça quand on a fait les bilans à la fin de l'année, c'est bien évidemment grâce aux aides qu'a apporté l'État. Notamment la prise en charge des salaires des travailleurs des ESAT pendant 7 mois. Je dirais, si nous n'avions pas eu cette aide, il est évident que la majorité des ESAT auraient connu un résultat très mauvais sur 2020 et probablement un résultat négatif. Donc ces aides-là nous ont bien apporté. Maintenant, il faut regarder les choses aussi, les situations diverses qui existent parmi l'ensemble du réseau des ESAT et des entreprises adaptées. Évidemment, quand on parle d'une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20% en 2020, c'est une moyenne qui masque évidemment de grandes disparités. Je pense notamment, vous le citiez tout à l'heure, aux établissements qui travaillent sur le tourisme, qui travaillent dans l'hôtellerie, mais aussi la sous-traitance industrielle dans le secteur aéronautique ou automobile, d'autres encore qui ont eu particulièrement à souffrir de cette année 2020. Et puis aussi, il faut le noter, une réactivité tout à fait extraordinaire, comme on a l'habitude de le voir dans ces établissements, dans les ESAT et dans les OA, pour répondre à de nouvelles attentes du marché, justement dans le cadre de la crise sanitaire, l'implication dans la fabrication de masques notamment, et l'adaptation à ces nouvelles donnes économiques qui nous sont tombées dessus sans crier gare. Donc 2020, une année qu'on souhaiterait quand même ne pas reconnaître trop souvent, hein, parce que des situations comme celle-là, on a évidemment tous envie qu'elles soient derrière nous. Alors comment se présente 2021, comme vous me le demandiez, voilà, le début de l'année a quand même été difficile. Hein. Il ne faut pas perdre de vue, évidemment, que 2021, le début de l'année, ça a été une période avec une partie du secteur économique en confinement, même si, évidemment, le confinement a été moins dur que lors du printemps 2020. C'est évidemment de nature à freiner l'activité économique et notre secteur en a souffert comme tout le monde. Là, au printemps, on ressent un vrai redémarrage, une activité qui est vraiment sur la relance, une demande en sous-traitance qui revient encore, de mon point de vue, d'après les informations qui nous sont montées, encore de manière assez timide. En revanche, les ESAT et les EA
qui sont positionnés sur des marchés de production propres ou sur des activités de service, voient leurs activités reprendre. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour dire si cette reprise va permettre de compenser le début d'année plutôt frileux que nous avons connu. D'accord. Vous parliez justement de ces créations d'activités, alors soit ceux qui sont positionnés sur les productions propres, mais ceux aussi qui sont lancés dans de nouvelles activités pour répondre aux besoins de la crise sanitaire. On a vu aussi que 62% des ESAT et des EA avaient lancé des nouvelles activités ces deux dernières années. À quoi on peut s'attendre dans les années à venir en termes d'offres de services? À quoi doit-on ou peut-on s'attendre sur les nouvelles offres que peuvent proposer les ESAT et entreprises adaptées? Alors, l'étude que vous nous avez montrée tout à l'heure démontre qu'il y a un réel dynamisme dans le secteur des ESAT et des EA avec beaucoup de nouvelles activités qui sont mises en place. Il y a évidemment la capacité des établissements à répondre aux marchés locaux, aux demandes des clients. Il y a aussi la volonté d'apporter des activités nouvelles pour les travailleurs des ESAT et les ouvriers d'EA, qui sont évidemment toujours de nature à développer leurs compétences et à travailler sur l'évolution de ces personnes pour aller peut-être vers d'autres projets. Peut-être on en parlera dans la matinée. Mais voilà, il reste que nous avons regretté que parmi les aides que nous a apportées l'État, et on peut en être reconnaissant, il a manqué quand même des aides structurelles à l'investissement, hein, parce que les ESAT et des EA qui sont aujourd'hui, pour certains, en situation économique délicate, n'ont pas nécessairement la réserve qui va leur permettre d'investir pour se diriger vers de nouvelles activités. Pourtant, c'est absolument indispensable. Je crois, et j'en suis convaincu depuis plus de 10 ans, je fais référence à la crise financière de 2008, qui a mis nos établissements en difficulté, en tout cas ceux qui étaient vraiment axés sur la sous-traitance industrielle. Ça les a mis en difficulté pendant 2 ou 3 ans. Depuis cette crise-là, la précédente, je plaide pour l'engagement dans des activités de production propre, dans des activités de service qui doit rendre nos établissements beaucoup plus indépendants par rapport à la sous-traitance industrielle. Alors bien sûr, de la sous-traitance industrielle, il en restera toujours dans une part de notre chiffre d'affaires, mais il faut que la part de production propre et de prestations de services devienne même majoritaire dans le chiffre d'affaires de nos établissements. Il y a énormément de possibilités qui s'offrent à tous, aussi bien dans la production locale. Je crois qu'il faut aussi surfer sur la vague des circuits courts, dans des activités de niche et aussi dans des activités de service, même si beaucoup en font déjà. Je pense aux blanchisseries, je pense aux espaces verts qui sont des activités, on va dire, historiques de nos établissements. Mais il faut s'ouvrir vraiment à tout ce qui peut se présenter. Alors dans les activités de service, on pense aux conciergeries, par exemple, hein, certains l'ont déjà développé. Et dans les activités de production propre, bon, c'est très nombreux. Je citerai pour exemple des productions de produits de bouche, voilà, de production dans l'alimentaire, ou bien d'autres choses encore. Voilà, tout ça étant adapté à la situation locale de chacun et à la demande du marché en quelque sorte.
Et justement, en lien avec cette demande locale, on voit des enjeux aussi hein, qui apparaissent plus fortement pour les concitoyens, puis pour les organisations et les entreprises. On pense notamment à l'urgence climatique, on pense à la relocalisation de production. Vous parliez également des circuits courts. Donc, c'est tout un ensemble d'activités aussi qu'il va falloir créer demain pour répondre à ces enjeux. Est-ce que les ESAT et les EA sont prêts à pouvoir se positionner sur ces orientations-là et sur ces métiers-là? Moi, je suis persuadé que la volonté est là. Sur la relocalisation des activités industrielles, bon, on attend tous après, mais il ne faut pas non plus tout miser là-dessus, hein. On sait très bien que la réalité économique est toujours présente concernant les coûts de main-d'œuvre et même si depuis un an on parle d'une nouvelle économie, d'un nouveau monde économique qui émergerait, bon, tant mieux s'il émerge, mais faut peut-être pas non plus mettre tous ses œufs dans ce panier-là. Donc effectivement, vous citiez tout ce qui concerne les circuits courts, ce qui concerne la transformation climatique qui est propre à amener de nouvelles activités. En tout cas, oui, je pense que la volonté est là dans l'ensemble du réseau des ESAT et des EA. La contrainte, c'est que souvent, évidemment, ces nouvelles activités passent par de nouveaux investissements, passent sans doute aussi par des formations et par des temps d'adaptation. Je dirais formation, adaptation, ça, nous montrons depuis fort longtemps que nous savons faire dans les ESAT et dans les EA. Maintenant, effectivement, il faut y mettre souvent des moyens financiers pour financer l'outil de production de ces nouvelles activités. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, Patrick Vincent, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous restez avec nous pour la session questions-réponses à la fin de cette présentation? Mais je reste avec vous pendant tout votre programme, bien sûr. Eh ben, merci à vous. On va passer maintenant à la deuxième partie. On va parler des clients, des ESAT et de EA, tant côté privé que public. En guise de transition, je vous propose le profil type d'un client des ESAT ou d'entreprise adaptée. Sachez qu'à 80%, c'est un client issu du secteur privé. À 68%, c'est une TPE-PME. Et à 91%, c'est un client qui est situé dans la même région que son prestataire ESAT ou entreprise adaptée. Qui confirme bien hein, cet ancrage d'acteurs de l'économie locale, des acteurs du secteur. Je vais maintenant passer la parole à Fabrice Loire, qui va nous parler donc du côté des clients privés et publics, comment se passent aujourd'hui les achats responsables et la RSE. Merci Aurélie. Donc, je suis Fabrice Loire, je suis responsable du pôle partenariat privé et public. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet concernant le rôle que joue et les questionnements qu'on a pu avoir vis-à-vis des clients des ESAT et des entreprises AP. On s'est adressé aux acteurs privés et aux acteurs publics dans ce cas-là. On s'est adressé à toutes les typologies également d'organisations de PME, EPI, en allant jusqu'au grand compte. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que près de 70% de nos répondants développe une politique RSE forte au sein de leur organisation. On savait déjà dans la précédente édition qu'on avait un taux très important vis-à-vis des grandes organisations, des grandes entreprises, mais ce qui nous ravit aujourd'hui dans cette quatrième édition de l'Observatoire, c'est de voir que les ETI ont répondu présent, il y a une très forte augmentation des ETI, et les PME commencent également à arriver sur des notions de politique RSE. Dans les objectifs prioritaires au sein de ces politiques RSE, c'est intéressant. On a un tiers des répondants qui positionnent l'insertion et la diversité comme un objectif, mais on a toujours, c'est normal, la partie environnementale avec la moitié des répondants qui le positionnent comme objectif prioritaire. Je vais insister sur les objectifs environnementaux puisque dedans, vous avez la réduction de l'empreinte carbone. Derrière ça, c'est l'achat local. C'est le fait de développer le tissu de prestataires locaux et c'est ce que vous a dit Aurélien en préambule, c'est le fait d'avoir un prestataire, toutes les 12 communes, d'avoir plus de 2000 prestataires sur toute la France et d'avoir ce maillage et de répondre à ces enjeux également environnementaux. Sur un deuxième aspect, aujourd'hui, on le montre à travers ces résultats, les achats responsables sont réellement un moteur de politique RSE. Nous-mêmes, Réseau ESAT, on souhaite positionner les prestataires comme acteur de la politique RSE des entreprises et des organisations publiques. Aujourd'hui, et là c'est intéressant,
près de 90% des entreprises privées et des organisations développent, réalisent une politique d'achat responsable. C'est une très forte augmentation depuis 2 ans. À nouveau, on retrouve les PME avec plus 21 points et les ETI avec et les grandes entreprises avec plus 13 points. Donc on a vraiment un moteur aussi sur les petites organisations en France qui développent de plus en plus les achats responsables. Ce qui est intéressant également, c'est d'analyser au sein du secteur public et au sein du secteur privé qui a été un petit peu, enfin, quelles étaient les locomotives sur ces aspects-là. Vous avez les collectivités territoriales, on a pu aussi l'entendre dans le discours de Lia Grégoire. Vous avez également les entreprises publiques du type EPIC qui ont pu porter ces démarches d'achat responsable. Dans le privé, vous avez les acteurs qui se positionnent sur les services aux entreprises. Vous avez les services, les banques et assurances, pardon. Et puis vous avez tout le secteur du bâtiment et de la construction qui ont poussé ces aspects-là. Maintenant, sur les axes prioritaires dans le cadre des achats responsables, et là, ça assoit également le rôle majeur que peut recourir la sous-traitance aux ESAT et aux EA. C'est le fait que 45% des répondants positionnent l'objectif prioritaire comme l'achat inclusif. Le terme achat inclusif regroupe derrière, bien sûr, tout ce qui est insertion par le travail, donc le secteur du travail protégé adapté, hein, les ESAT et les entreprises adaptées, mais également tout le domaine de l'insertion. Les autres aspects, économiques et responsables, rentrent réellement en ligne de compte. Sur le slide suivant, il y a également un parallèle à présenter avec ce que vous a montré Aurélie tout à l'heure, le graphique intéressant sur les différents positionnements de nos pôles métiers. On a aussi interrogé les clients des ESAT et EA sur les différents segments achetés aujourd'hui auprès de ces prestataires. On reste dans le top 3 sur des prestations historiques avec l'entretien des espaces verts, le nettoyage et l'entretien et le conditionnement. Mais là où c'est intéressant, on avait déjà eu ce discours il y a 2 ans, mais aujourd'hui on l'accentue à travers 3 activités selon nous qui sont phares. Les prestations administratives ont augmenté, toutes les prestations liées au recyclage, à l'énergie, à l'environnement ont un rôle fort. Et enfin, les prestations informatiques, on a une très forte demande sur ce domaine-là, pas uniquement sur de l'achat, mais vraiment sur la notion d'achat inclusif, de passerelle. On pense que ce secteur va encore être amené à augmenter de par les nouveaux dispositifs hein, de ATT, de CD tremplin, d'accès aussi à la formation pour les personnes en situation de handicap qui vont de plus en plus répondre à ce besoin des entreprises qui cherchent de nouvelles débouchés. Et donc ces secteurs-là vont augmenter. Ensuite, Denis Charrier vous l'a dit en préambule, on a bien sûr fait évoluer l'observatoire par rapport au contexte politique et sanitaire. Sur l'aspect sanitaire, et Aurélie l'a marqué également sur les prestataires, 46% des grandes entreprises, un tiers des ETI et des PME ont dû réduire leur volume d'achat responsable via la crise Covid. On le voit également à travers les résultats. Il y a eu forcément des prestataires qui étaient positionnés sur des segments d'achat qui étaient directement impactés. Sur le point suivant, et ça c'est un point qui nous tient particulièrement à cœur au réseau GESAT, c'est le fait aujourd'hui de casser les a priori et de casser les préjugés. On reste sur la même dynamique avec la précédente édition, à savoir que 97% des répondants se disent, et donc des clients hein, des ESAT et des EA, se disent satisfaits des prestations, voire très satisfaits des prestations. On a eu une légère augmentation, on était déjà sur un niveau très élevé. Et là où c'est intéressant également pour casser les a priori, c'est que dans ces répondants, soit près de 70% jugent même que la qualité des ESAT et des entreprises adaptées est supérieure à celle des prestataires classiques. Quand on s'attarde en dessous sur les autres avantages concurrentiels, on rejoint que le sujet qui nous effare aussi aujourd'hui, c'est l'aspect RSE. La proximité, on la retrouve également dans les avantages concurrentiels. La moitié des répondants positionnent également les ESAT et les EA comme un acteur de proximité. Aujourd'hui, on a également un aspect fort et une évolution qu'on ressent nous-mêmes. On intervient auprès de 125 entreprises ou organisations publiques au quotidien. Nous-mêmes, au réseau GESAT, on intervient auprès de direction générale RSE, DRH, mission handicap ou direction des achats. On a posé la question aux entreprises, ça peut être également lié au contexte législatif et au contexte d'évolution des politiques achats et handicap. Aujourd'hui, un petit peu plus d'une entreprise sur deux a dédié une personne, a positionné un responsable pour développer la sous-traitance aux ESAT et aux entreprises adaptées. C'est une très forte hausse depuis la précédente édition.
Mais quand on s'attarde dans les résultats et dans la répartition des fonctions et des directions dans lesquelles sont positionnées ces personnes, on se rend compte que la direction, les directions générales jouent de plus en plus un rôle fort, les directions RSE également. Et on va y revenir après, les directions achats. Les ressources humaines représentent entre guillemets que 20% aujourd'hui, il y a quand même un basculement. C'est important que les directions générales et les directions des achats aujourd'hui s'approprient ce sujet et que ça ne soit pas uniquement porté par les ressources humaines. Ce qu'on cherche, nous, bien sûr, à terme, c'est que on ait des notions transverses sur ces problématiques d'achat responsable. On va du coup en profiter et passer à la suite pour vous proposer notre premier intervenant. On peut passer hein, le slide, merci. Vous proposer notre premier intervenant aujourd'hui. Bonjour Nathalie Leroy. Est-ce que votre micro fonctionne? On va attendre un tout petit peu la technique pour que le micro s'active. Voilà, je pense que ça fonctionne. Bonjour, on vous entend. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Tu es donc déléguée générale au Conseil national des achats, au CNA, que beaucoup ici, je pense, connaissent. Il faut savoir que le CNA, Denis Charry l'a précisé en préambule, est sponsor officiel de l'Observatoire. Vous nous avez aidé à construire ce sujet et à l'adresser aux acheteurs. Petite précision pour celles et ceux, avant de t'interroger Nathalie, qui ne connaissent pas le CNA, le Conseil national des achats. Vous êtes une association qui fédère aujourd'hui 18 000 adhérents, majoritairement bah, des acheteurs principalement, et c'est là où vous avez également un rôle fort, et on a un lien également très fort avec vous sur cet aspect-là. Vous travaillez sur toute la France à travers 11 régions. Le CNA est... Oui ? Vas-y, Fabrice, je t'en prie. Le CNA, sur les trois aspects hein, qu'on a notés, vous avez une responsabilité essentielle dans le positionnement stratégique de la fonction achat et de sa participation bah, aux enjeux globaux et de l'évolution actuelle. Vous avez un rôle de rassembleur également des différentes missions achat et un rôle de promoteur des bonnes pratiques à travers un grand nombre d'actions que vous menez toute l'année. Un grand merci hein, Nathalie de ta présence et de ton investissement sur le sujet. Alors je vais rebondir sur le premier aspect hein, que j'ai pu aborder sur cette partie, c'est l'angle RSE. Ce que je souhaite savoir, c'est de par ta connaissance et bien sûr de par la connaissance du CNA, quelle est la position aujourd'hui du CNA, plus globalement peut-être des acheteurs, concernant l'engagement des entreprises et plus spécifiquement l'engagement des services achats en matière de politique RSE? Alors l'engagement, je dirais que, alors déjà bonjour à toutes et à tous, je fais une petite parenthèse et merci, un grand merci en tout cas de, voilà, de je puisse intervenir et voilà, on est très heureux en tout cas au niveau du Conseil national des achats d'être partenaire auprès de vous. Donc la politique des achats responsables, elle est devenue vraiment une réalité. On a mené il y a quelques mois aussi un observatoire hein, auprès de nos adhérents et on voit que cette politique devient vraiment une réalité. Il y a effectivement une accélération au niveau de ça et d'ailleurs c'est au cœur des échanges hein, comme le rappelait oui. Tout à l'heure la ministre Olivia Grégoire donc concernant cette mission qu'elle a demandé aux médiateurs et au CNA puisqu'en fait on est co-créateur de cette charte et de ce label, c'est vraiment d'aller vers un déploiement donc de ce label et de ces achats responsables. Tout à l'heure j'étais également sur une réunion, nous avons travaillé sur la nouvelle charte hein, relations fournisseurs achats responsables que nous allons qui va sortir je dirais au mois de septembre, et l'idée c'est vraiment d'aller vers un parcours en tout cas de cette charte au label hein. La charte, ce sont déjà 10 engagements, en tout cas vers des engagements responsables, d'achat responsable. Et c'est vraiment un parcours, une maturité en fait, hein, qui va se déployer, qui se déploie de plus en plus au sein des organisations privées, publiques également, qui va permettre effectivement de, à la fois au-delà de la maturité, aussi de créer une méthodologie, des process, des dispositifs effectivement robustes qui vont permettre... Au-delà, je dirais, de ce que souhaite la direction générale, tu le rappelais tout à l'heure, Fabrice, oui. Il est important, effectivement, que les directions générales soient moteurs sur le sujet. Mais après, il faut que ce soit décliné, que ça infuse au sein de toutes les organisations. Pas seulement, comme tu le disais,
uniquement au niveau des RH, mais également au niveau de la RSE et les fonctions achat est un levier puissant, en tout cas en termes d'achat responsable. Donc, à travers un déploiement de ce label, comme Madame la Ministre le rappelait, avec des objectifs très ambitieux au niveau des achats publics, mais également à travers cette charte, effectivement, on voit que cette politique RSE achat responsable se déploie. Et alors, du coup, sur l'autre aspect, on l'a vu en conclusion, je souhaiterais avoir également ta vision et la vision du CNA. Comment aujourd'hui vous voyez l'évolution en entreprise et bien sûr à nouveau au sein des services achats de l'animation de politiques d'achat responsable ou inclusif? Alors, je dirais que avec cette crise, on voit effectivement qu'il y a une prise de conscience vraiment forte. Et les achats responsables vont vraiment évoluer vers une intégration de plus en plus forte du respect des valeurs sociétales. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on cherche vraiment à être en cohérence, je dirais, avec les besoins, les souhaits des consommateurs finaux. Alors ça, c'est vraiment le point qui est extrêmement important. On voit que la RSE, finalement, c'est un levier important pour le développement des organisations, puisqu'en fait, ça apporte également une réponse aux exigences, je dirais, des citoyens et des consommateurs. Donc, ce qui est, à mon sens, important, c'est vraiment de former et de sensibiliser en tout cas ses collaborateurs aux achats responsables. Donc, ce qu'on peut dire, effectivement, ça peut représenter un coût, mais en même temps, ça va permettre, je dirais, de bénéficier d'un impact positif. On parle beaucoup d'impact en ce moment sur les achats, les impacts positifs. On voit en termes également d'image, mais également d'attractivité de son organisation, en termes de recrutement et puis aussi donc en termes d'image par rapport à ses clients. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Encore merci au CNA de votre implication sur ces sujets-là. Petite précision pour nos participants. Aujourd'hui, Nathalie Leroy est très demandée, va animer un webinaire à 11h. Elle ne pourra pas rester pour la partie des questions-réponses. On prendra bien sûr le soin de remonter s'il y a des questions qui sont adressées au CNA. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Je vous propose du coup d'aborder maintenant un angle RH et un angle OETH, hein, obligation emploi de travailleurs handicapés, concernant cette quatrième édition de l'Observatoire. Il y a l'aspect, ce que je vous disais en préambule, qui est lié à la crise sanitaire aujourd'hui, mais il y a également quelque chose sur lequel on a énormément travaillé et qu'on a choisi également d'intégrer à cette édition de l'Observatoire, c'est l'impact qu'a eu la loi sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, l'OETH. Aujourd'hui, on a interrogé les clients, hein, des ATSEA, et il se trouve que 66% des répondants se déclarent informés ou partiellement informés de la réforme. Donc, c'est quand même un chiffre qui est rassurant. Aujourd'hui, les deux tiers des acteurs connaissent l'impact de la réforme. On a également posé la question inverse, hein, et on a souhaité savoir si cette réforme avait eu un impact vis-à-vis des ESAT et des entreprises adaptées. On a eu quand même des a priori, il y avait pas mal d'informations qui circulaient au tout début de la réforme du fait que les ESAT et les entreprises adaptées sortaient du calcul de taux d'emploi et intervenaient uniquement en déduction de la contribution liée au handicap. Aujourd'hui, c'est là où c'est intéressant, les deux tiers des répondants ESAT et entreprises adaptées n'ont pas connu de changement majeur sur l'impact de leur chiffre d'affaires. On a également un quart des répondants qui se déclarent à l'inverse avoir connu une hausse. Et dedans, on a 10% malheureusement qui ont connu une baisse. Donc globalement, on peut penser qu'il n'y a quand même pas eu d'impact négatif sur cette réforme. Le dernier point aujourd'hui me concernant, c'est les besoins de demain. Comment aujourd'hui les clients des ESAT et des entreprises adaptées, les entreprises privées et les organismes publics se positionnent? La moitié aujourd'hui souhaite développer une politique d'achat responsable. On a une légère baisse à cette progression depuis la précédente édition, mais c'est un très bon chiffre, puisque derrière, on a 44% des répondants qui ne souhaitent pas diminuer et maintenir dans les deux ans à venir cette politique d'achat responsable. Donc, il n'y a que 3% des répondants qui indiquent ou qui pensent faire baisser ce montant. Donc, c'est vraiment un point qui est fort et qui est positif. Et le dernier point, c'est à travers ces objectifs et cette politique d'achat responsable, quel objectif aujourd'hui les entreprises ont? Et on revient à nouveau sur cette notion RSE. Le fait de proposer de l'achat responsable, du Made in France et de tout l'aspect recolisation,
pas grave, mais vous avez compris, c'est de l'achat local, du coup, c'est plus simple, joue un rôle majeur sur cet aspect-là. Et le deuxième aspect, qui est un aspect également fort, c'est la réforme de l'ETH qu'on a abordé juste avant. Il faut savoir que les enjeux sont toujours très importants, notamment pour les entreprises en matière d'emploi et de recrutement, et que les passerelles des États et des entreprises adaptées vont augmenter et devenir de plus en plus importantes vers le secteur classique. Sur ce sujet-là, je vous propose de passer au deuxième intervenant côté client et entreprise. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Perret, qui est directeur d'Être, du Club Être, d'Être en réseau, pour préciser ces aspects-là. Denis Charrier vous l'a précisé en préambule, Être, le Club Être est sponsor officiel de l'Observatoire et a également proposé un numéro dédié à la sous-traitance et aux évolutions. Emmanuel, bonjour. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, le micro fonctionne. On t'entend très bien. Eh ben, merci encore au Club Être et à toi de votre investissement, de ta présence aujourd'hui. Petite précision pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Club Être. Le Club Être, c'est simple, c'est le premier réseau national des entreprises engagées en faveur du handicap, de politique handicap et de prévention. Le Club Être, c'est 200 adhérents, c'est plus de 20 événements. Et comme le CNA, vous avez également un rôle fort, puisque dans vos événements, vous intervenez sur pratiquement toutes les grandes régions de France sur ces actions de sensibilisation et de réflexion et de partage des bonnes pratiques. Emmanuel, pour commencer, bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et vous avez une très bonne connaissance de ce sujet-là, puisque vous l'avez énormément travaillé en salle, et vous avez animé un grand nombre d'ateliers sur ces thématiques. Comment le Club Être et comment toi, tu vois aujourd'hui l'impact de la réforme de l'OTH sur les politiques handicap des entreprises et puis plus précisément sur les politiques d'achat inclusif? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fabrice. Alors déjà, comme l'a dit Patrick Mincenant, on est dans une année un peu difficile puisqu'on est une année après la crise sanitaire et économiquement en plus les ESATE ont été aidés par l'État. Donc c'est difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir une position très nette. Ce que je peux dire, c'est que l'économie liée à la politique handicap et aux achats responsables est une activité réglementée par l'État. Donc, dès qu'il y a un changement réglementaire important, en l'occurrence institutionnel, comme la loi Pénicaud 2, l'avenir professionnel, la liberté de choisir son avenir professionnel, et les décrets qui ont suivi, forcément, il y a des conséquences. Mais il n'y a pas des conséquences pour tout le monde et il n'y a pas des conséquences forcément à court terme. Alors, les conséquences, elles sont pour qui ? Alors, moi, je vais revenir sur une donnée qui n'est pas dans l'Observatoire, mais qui est dans une étude qui vient de sortir, Opinion Mouai et la Fondation Handicap Malakoff Humaniste. C'est une étude de mai 2011. Pourquoi elle est vraiment intéressante? Il y avait une question qui était posée à l'ensemble des entreprises en disant, dans votre entreprise, le handicap est plutôt une préoccupation, pas une préoccupation ou une préoccupation réglementaire. Et on s'aperçoit, et c'est pour ça qu'il va falloir répondre en fonction de la typologie, qu'il y a à peu près un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que c'est pas une préoccupation du tout pour 34% des entreprises. Ah oui. Donc forcément, avec celle-là, on va être obligé de faire autrement. Après, c'est 35% pour une préoccupation réglementaire. Donc il va falloir expliquer les changements réglementaires à ce type d'entreprise. En revanche, pour celles qui sont, c'est une préoccupation globalement importante, et ben là, elles vont continuer avec vous, même s'il y a un changement réglementaire, et elles trouveront des moyens pour continuer de la même façon. Donc, on voit bien que ça s'adresse pas à tout le monde de la même façon. Il y a deux effets structurels importants. Il y en a un que vous avez cité, Fabrice, c'est le fait que avant, les achats responsables, c'était du premier rang, c'est-à-dire c'était au même titre que l'emploi. C'est-à-dire que c'était un emploi direct, mais c'était vraiment... Maintenant, ça passe en deuxième rang, c'est-à-dire en déduction financière de la contribution. Donc, il est bien évident qu'il va falloir l'accompagner et l'expliquer aux acteurs de l'entreprise qui, pendant un certain nombre d'années, ont opté pour une autre réflexion. Voilà, donc ça, vis-à-vis des entreprises qui sont sur la réglementation, il y a une nécessité. Donc ça, c'est sur le court terme, parce que ça commence là, en 2020. Pour ce qui est du long terme... Et ça concerne là pas toutes les entreprises, mais plutôt les grands comptes. Il y a la fin des accords agréés. Donc pour l'instant, aucune n'a
on a arrêté ces accords agréés, mais ça va se faire progressivement. Et là aussi, il y avait une façon de faire, il y avait une organisation très précise, il y avait une autonomie financière, il y avait des investissements par rapport aux ESAT et EA. Est-ce que ça va se faire de la même façon? Ça, aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Mais c'est une réforme structurelle assez importante à venir. Voilà. Pour ce qui est... Petite précision, Emmanuel, et une toute petite coquille pour revenir dessus. L'étude que vous avez citée est de 2021, si je ne me trompe pas, c'est mai 2021. C'est ça. Mais le mois dernier, en fait. Oui, c'est ça, parce que c'était juste 2011, je voulais juste préciser qu'elle était, elle était actuelle. Il y a également un aspect sur lequel vous avez une vision au Club Aide, et je souhaiterais avoir votre avis, c'est le rôle que jouera plus tard les politiques d'achat responsable, enfin plus tard à court et moyen terme, on va dire, le rôle que jouera les politiques d'achat responsable et inclusif vis-à-vis de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, hein, vis-à-vis de l'OETH. Comment vous voyez la chose? Moi, je pense que ça dépendra de nous. Et quand je dis nous, ça dépendra de nous tous, c'est-à-dire les acheteurs, les représentants du secteur protégé et adapté, et puis les entreprises. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des changements et il va falloir qu'on s'adapte à ces changements ensemble. Il faut qu'on repère, comme l'a dit précédemment les autres interlocuteurs, les besoins et services, les synergies sur d'autres projets. Alors que ça soit la RSE, on en a beaucoup parlé, mais c'est pas sûr que ça soit l'ensemble des entreprises soit sur cette typologie-là ou cette référence-là. C'est important pour d'autres et pour les plus petites, ça sera peut-être l'économie locale, le développement durable. Donc en fait, il faut suivre toutes ces pistes sans diluer la question du handicap, parce que c'est quand même notre préoccupation principale, hein, c'est de l'insertion professionnelle de ces personnes en situation de handicap. Donc, je pense que pour préparer ces changements, comme on sait qu'il va y avoir des effets retard et comme on parlait des accords agréés, il faut le préparer tout de suite. Il faut le préparer tout de suite avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire aussi bien les acheteurs, les directions financières, vous avez parlé des changements dans les organisations, les directions générales, les RH, et puis ceux qui ont porté cette question et qui ont été engagés depuis 30 ans, c'est les missions handicap, les chargés et les responsables de missions handicap, parce que eux, ils ont quand même l'expertise, ils ont une vue transversale, c'est eux qui portaient la stratégie de la politique handicap, c'est eux qui ont appris à sensibiliser en fonction des métiers, donc ils vont pouvoir nous aider au moment des changements justement pour discuter avec les organisations syndicales, les institutions. Donc, il y a une nécessité de se servir et de travailler avec toutes ces personnes. Alors, nous, on a, plutôt que de simplement de l'évoquer, on a, avec vous notamment, décidé de s'y mettre tout de suite. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on fait un atelier interactif avec des consultants pour nous aider avec tous ces métiers, pour nous essayer de voir l'avenir et qu'est-ce qu'on va mettre en place dans les entreprises en fonction de leur environnement. Et donc, on a déjà un premier atelier ensemble le 8 juillet et le but, c'est dans 6 mois de voir ce qui s'est passé. C'est pas simplement de dire, bon, bah, on va faire un atelier prospectif, c'est qu'on va mettre des marqueurs pour voir, bon, bah, ça a été possible, ça n'a pas été possible et de redresser en fonction. Voilà, c'est d'être actif assez rapidement. Oui, et c'est du coup une réflexion qui est collective et qui est en cours. Merci, merci beaucoup Emmanuel Perret. Encore merci également au Club Être, hein, de votre implication, de tout le travail que vous avez pu effectuer également sur le magazine Être, hein, dans la dernière édition. Un grand merci à toi et un grand merci à toute l'équipe du Club Être. Là, je le présente. Il est là. On est dans les temps, hein, pour info. Il est 10h30, il nous reste 30 minutes. On est à 10 secondes près dans les temps, c'est super. Je vais passer tout de suite la parole à Aurélie Berlioz, que vous avez déjà pu voir tout à l'heure, et qui va maintenant aborder tout l'aspect prospectif. Quelles sont les pistes maintenant pour aller plus loin, une fois qu'on a fait le constat côté ESATEA et côté entreprise? Alors, on va vous proposer 3 pistes pour aller plus loin dans les relations entre les ESAT, entreprises adaptées, et les entreprises et organismes publics. La première, c'est la cotraitance. Vous savez ce que c'est la cotraitance? C'est quand des prestataires unissent leurs forces, ressources humaines, techniques, pour pouvoir répondre ensemble à des marchés qui ont une forte volumétrie, qui ont un périmètre géographique qui est étendu, ou qui suppose aussi des multicompétences qu'une seule des structures dont une seule des structures ne dispose pas forcément. Sachez qu'aujourd'hui, la cotraitance, si on se place du point de vue des clients, eh ben on a déjà 39% des clients qui sollicitent
les ESAT et les EA via des repos sans compétences dans lesquels les ESAT et entreprises adaptées sont intégrées aux côtés d'autres prestataires qui viennent aussi compléter la réponse que peuvent apporter ces structures. On voit que dans 52% des cas, ces co-traitances sont le fait de réponses d'ESAT et entreprises adaptées avec des prestataires classiques, hein, des entreprises classiques de travail. Et puis de l'autre côté, à 48%, c'est des co-traitances qui sont le fait d'ESAT, d'entreprises adaptées avec d'autres acteurs de l'ESS qui permet aussi d'avoir une offre 100% responsable. Aujourd'hui, quels sont les clients qui sollicitent le plus de recours à la co-traitance? C'est notamment les organisations publiques. On retrouve les collectivités territoriales, on retrouve les services de l'État, les ministères, mais on retrouve aussi les entreprises qui proposent des services aux organisations, la grande distribution et puis également l'industrie, surtout ce qui est métallique et métallurgie. Côté prestataire, comment ça se passe aujourd'hui sur la co-traitance? Et ben, on voit qu'il y a déjà 51% des ESAT et entreprises adaptées qui co-traitent actuellement. Donc, il y a un savoir-faire hein, sur ce type de réponse. Et les formes de co-traitance aujourd'hui qui sont proposées, c'est à 2/3 des co-traitances 100% responsables avec des ESAT, des EA et d'autres acteurs de l'ESS et du SIAE. Et puis à 1/3 des co-traitances avec des entreprises classiques. Donc on peut aussi que vous inciter hein, côté prestataire à continuer à développer ce type d'offres en co-traitance qui permet aussi une synergie des cultures au sein des entreprises et puis qui permet d'aller sur de nouveaux marchés qui sont aujourd'hui inaccessibles si on est une structure seule. Autre piste de développement, l'achat inclusif. Alors, vous le savez, hein, par nature, les ESAT et les entreprises adaptées sont des structures inclusives. Elles proposent au quotidien des parcours professionnels à des travailleurs en situation de handicap pour leur permettre de développer leurs compétences et d'agir au quotidien dans la société au niveau professionnel. À côté de ça, on voit aussi que sur les 150 000 travailleurs d'ESAT et d'EA, 28% exercent leur activité, leur métier directement chez le client à travers différents types de contrats, que ce soit des prestations de services sur site, de la mise à disposition, de l'intérim, etc., etc. C'est une augmentation de ces formes contractuelles de plus de 8 points par rapport à 2018, donc c'est aussi quelque chose qui se développe. C'est aussi des dispositifs finalement que les entreprises utilisent aussi beaucoup puisque 54% des clients accueillent des travailleurs issus d'ESAT et d'EA au sein de leur organisation à travers ces types de contrats qu'on a cités, hein, prestations de services, mise à disposition, qui leur permet finalement de bénéficier d'un service de qualité et utile dont elles ont besoin en interne et puis qui leur permettent aussi finalement d'entamer leur dynamique inclusive en montrant aussi à leurs collaborateurs toutes les compétences dont font preuve les ESAT, entreprises adaptées et à travers ça les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, les contrats pour favoriser cette inclusion au milieu ordinaire, l'un des premiers contrats, c'est la prestation de services sur site, 41%, mais bien sûr, les entreprises et les organisations publiques peuvent également recourir à la mise à disposition, qui est bien connue des ESAT et entreprises adaptées, au stage, à l'intérim, etc., etc. Et puis maintenant, on va passer à la question de l'embauche et notamment l'embauche de travailleurs d'ESAT et d'entreprises adaptées directement par des entreprises et organismes publics. Sachez que ces deux dernières années, c'est 15% des clients qui déclarent avoir recruté un travailleur issu d'ESAT et d'EA. Et sachez également qu'elles sont 33% à envisager de le faire dans les deux ans à venir. Donc on voit aussi qu'il y a une dynamique qui est enclenchée sur la question de l'embauche de personnes en situation de handicap. Les entreprises, les organismes ont aussi envie de pouvoir sourcer et recruter des personnes directement au sein des ESAT et entreprises adaptées. On voit que les profils qui sont cherchés sont variés, hein, ça va des services généraux, la logistique, la restauration, l'IT, les fonctions administratives. Et puis on voit aussi de l'autre côté que les acteurs du secteur sont déjà en ordre de marche pour pouvoir répondre à cette dynamique. C'est peut-être pour ça aussi que les entreprises viennent les chercher, puisqu'elles sont déjà 72% des prestataires à déclarer former leurs travailleurs ou souhaiter former les travailleurs en vue d'une embauche, en tout cas dans un objectif d'inclusion, une embauche en milieu ordinaire de travail. Pour parler de ce sujet en particulier, on va accueillir maintenant Lawari Merapti. Lawari, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, on est en train de basculer. Oui, on prend une petite minute pour brancher le micro et que vous puissiez nous rejoindre. Est-ce que vous m'entendez? Alors oui,
N'hésitez pas à connecter votre micro. Hein, si, oui, le bouton est en haut à droite, normalement. Je crois qu'on n'a pas encore votre micro. On n'a pas encore le son. N'hésitez pas, le micro, tu dis en haut à droite. C'est bon. Vous nous entendez ? On ne vous entend pas. Le micro, on me dit que le micro est activé. Par contre, on ne vous entend toujours pas. Ce que je peux vous proposer peut-être en attendant, je vais laisser mon fauteuil à Denis Jarier. On va essayer de régler ce problème technique avec M. Merapti. On va peut-être tout de suite prendre quelques questions en attendant, parce qu'on a eu pas mal de questions sur le chat. Et on reviendra tout de suite après sur cette partie-là avec la GFIP. Alors, Marion, si tu es connectée, tu peux prendre la parole et aborder déjà une première série de questions. Alors, Marion, vous m'entendez bien ? On t'entend bien, Marion. Parfait. Alors, nous avons répondu à de nombreuses questions, réactions, interactions dans le chat. Donc, merci à toutes et à tous. Voici deux, trois questions en attendant que ce petit problème de son soit résolu. Question de Marie Brunagel à Patrick Vincent, vice-président de l'UNAPI. Qu'est-ce que le FATEA, d'abord, le Fonds d'appui à la transformation des entreprises adaptées ? Est-ce qu'il permet de financer les investissements productifs des entreprises adaptées ? Première question, et puis je poserai après la réponse de Monsieur Vincent la suivante. Oui, vous m'entendez là, c'est bien ? Oui. Oui. Alors le FATEA, effectivement, le fonds d'aide aux entreprises adaptées. Alors je peux vous dire déjà ce qu'il n'est pas. Ce ne sont pas des moyens supplémentaires accordés aux EA. C'est en fait le recyclage, si j'ose dire, des aides qui ne sont pas parvenus aux EA en 2020 pendant le premier confinement du fait de l'arrêt d'activité d'un certain nombre de structures. Alors ce fonds d'aide, il est effectivement dédié à l'investissement productif des entreprises adaptées. Il est relativement conséquent, mais sans doute pas suffisant pour aider l'ensemble des besoins d'investissement des entreprises adaptées. Donc notre un point sur lequel évidemment on insiste auprès des ministères concernés. Alors je fais un nous collectif évidemment hein, avec l'Union nationale des entreprises adaptées, avec les autres associations du secteur. Donc nous attendons évidemment à ce que le FATEA continue de vivre cette année, dans les années à venir, sachant que au tout début, l'ensemble des moyens rendus disponibles par le FATEA n'a pas été utilisé. Donc il y a eu un report sur les moyens disponibles. Merci. Question du coup un petit peu connexe d'Anne-Marie Lunet. Les aides de l'État ont-elles compensé entièrement à 100% les effets de la crise sanitaire sur les entreprises, sur les ESAT et entreprises adaptées, et puis plus globalement la question portée sur les entreprises et les acteurs de l'économie sociale et solidaire? Non, bien sûr que, comme je le disais tout à l'heure, les situations sont très diverses. Hein, voilà, quand on parle des baisses de chiffre d'affaires, on parle de situation moyenne. Comme dans toute moyenne, eh ben, y a évidemment des écarts-types qui ne rentrent pas dans cette situation générale. Je dirais les aides de l'État, notamment pour ce qui concerne les ESAT, bon, ont permis avec le versement des salaires, la compensation des salaires des travailleurs des ESAT, ont permis aux ESAT de supporter ces mois d'inactivité
puis après d'activités réduites, notamment évidemment pendant le premier confinement et sur le reste de l'année 2020. Mais ça ne fait pas tout, évidemment. C'est une diminution de charges, très appréciable quand on connaît une diminution du chiffre d'affaires. Maintenant, ça ne règle pas évidemment toutes les situations. Et on a vu évidemment des résultats de fin d'année 2020 qui ont été évidemment inférieurs à ce que ça pouvait être les années précédentes et quelquefois déficitaires. Donc ça ne sauve pas tout. C'est une aide. Ce n'est en rien, je dirais, une compensation totale des pertes. Merci beaucoup. Marion, je vais oui. t'interrompre. On va pouvoir échanger avec la Wari Merapti. On va passer par téléphone. Je te propose qu'on prenne cette interview et puis on reviendra tout à l'heure à la session de questions-réponses. Parfait. À tout de suite. Alors, Monsieur Merapti, hop, on va passer par téléphone. J'espère que le son. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Alors, j'espère qu'on vous entend bien. Nous, ici, on vous attend pour vous présenter. Hein, n'hésitez pas aussi à prendre le micro. C'est des choses qui arrivent, il n'y a pas de souci. On est passé par téléphone. J'espère que le son sera correct pour tout le monde. Vous présentez, vous êtes délégué régional Île-de-France de la GFIP. La GFIP, on vous connaît, hein, vous œuvrez pour le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap et vous proposez tout un ensemble de services aux entreprises pour pouvoir accompagner justement ces embauches et ces inclusions professionnelles. On l'a vu sur la dernière slide piste de développement, les entreprises souhaitent recourir aux travailleurs et embaucher les talents et les professionnels des AT et entreprises adaptées. Selon vous, comment doivent bouger les acteurs, les ESAT, entreprises adaptées d'un côté, mais aussi les entreprises publiques ou privées hein, pour pouvoir répondre à cet objectif, et quels sont peut-être les freins à lever de part et d'autre pour pouvoir favoriser ces recrutements. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on en a parlé beaucoup de choses depuis le début de la matinée. On a parlé de formation, de sensibilisation, de l'entreprise, mais aussi comment former les personnes en situation de handicap qui sont représentants des autres dehors pour pouvoir l'entreprise en milieu ordinaire et pour répondre à la question, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a déjà à rassurer l'entreprise en termes d'accompagnement. Je pense que beaucoup d'entreprises ont besoin d'être accompagnées dans cette démarche-là pour accueillir les personnes qui sont dans le cadre, assistant soit aux remises à cette question, soit en détachement. Je pense que là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu cette crainte de ne pas savoir faire et je crois, et c'est sûr que les prestations que présentent les EA et les ESAT quand ils mettent au plan ou au département tout cet accompagnement, mais c'est ça, il y en a encore plus. La défense aussi nouveau, c'est vrai, dans l'obligation d'emploi, ça vient de s'opérer, maintenant, la prestation est en déduction et non plus en moratoire dans le cadre en obligation d'emploi. Et c'est là il faudra peut-être continuer à former l'entreprise, que par le biais de ça, on peut aller vers l'emploi direct, parce que et l'étape ESAT ou EA est un élément du parcours, est un levier dans le cadre de la construction du parcours. Mais en même temps, il faudra sécuriser le parcours de la personne. Et pour sécuriser le parcours de la personne, il faudra mettre en place des dispositifs, des dispositions pour des entreprises pour les accompagner. Alors, de niveau, il y a, au niveau des EA, il y a toute la partie qui a été développé dans les expérimentations. On a parlé beaucoup un peu les CDD de temps plein et aussi les EATT, les entreprises de travail temporaire, entreprises adaptées de travail temporaire. Et ça, ça peut être un élément pour permettre à l'entreprise de préparer une personne qu'elle soit accueillie à l'entreprise. Mais en même temps, pour les ESAT, il y a aussi ce qu'on appelle les dispositifs de l'emploi accompagné. Comment faire sortir une personne d'une ESAT pour aller au milieu ordinaire. Si on applique, on effet levier le dispositif d'emploi accompagné et que la personne rentre dans une entreprise dite du milieu ordinaire ou du droit commun, on va utiliser le terme droit commun, ça permet à l'entreprise d'avoir cette assurance, d'avoir cet accompagnement pendant toute la durée de vie
de la personne dans l'entreprise. Donc, pour moi, il y a un point important, c'est la formation professionnelle, des ressortissants, soit de A, soit des A, préparer aux besoins des entreprises et aussi les préparer à la transition, parce qu'il y a pas mal de transitions, et aussi les monter en qualification, il y a pas mal de outils ou de dispositifs qui ont été mis en place, par exemple pour les EZ, sur la valorisation des acquis. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui peuvent être mis en place, mais en même temps aussi cette formation. On voit bien que dans le cadre des expérimentations plutôt là pour les entreprises adaptées et le plan d'investissement des compétences, la formation s'est faiblement mobilisée. Donc comment apporter un soutien, une aide à une entreprise adaptée, et plus particulièrement celles qui n'ont pas de structure RH qui permettra de construire une ingénierie de formation, de construire une formation pour les personnes. Donc comment les aider, surtout ce qui sont dans une dynamique de transformation pour les nouveaux métiers, pour les nouvelles activités. On a parlé du développement durable, on a parlé des métiers de l'énergie renouvelable, mais aussi en ce moment beaucoup sur les métiers de la transformation digitale. Donc là aussi, il y a des choses, il y a beaucoup de A ou de Z qui ont beaucoup d'innovations sur ces sujets-là, mais peut-être aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de basculer pratiquement sur le digital. Donc là aussi, comment former des collaborateurs en situation de handicap sur ce type de métier pour qu'ils puissent répondre aux besoins des entreprises. Donc pour moi, je pense que l'avenir, elle est à faire communiquer les entreprises dites moyennes ordinaires avec les ESAT et les EA, ça se passe déjà, mais aller plus loin et surtout rassurer le chef d'entreprise pour qu'il puisse avoir, lorsqu'il est confronté à des situations avec une personne, avoir qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va vouloir l'aider et qui lui permettra de répondre à ces questions. Maintenant, il y a aussi la relation entre le service public de l'emploi et les EA et les ESAT. Ça fonctionne, mais pas assez. Donc comment aussi créer ces passerelles entre un demandeur d'emploi qui peut être une étape de parcours, être en EA par le biais soit d'un CDD temps plein ou par un CDI, ou peut-être la personne, quand elle est orientée en ESAT et qu'il y a une possibilité de le mettre en disant c'est un demandeur d'emploi, il peut être en ESAT et puis ça peut aussi construire un parcours et sécuriser ce parcours pour qu'elle soit dans un milieu ordinaire. Travail à faire à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre de l'accompagnement de l'entreprise. Alors, je vais vous demander de conclure vraiment en une petite minute. Comment sensibiliser à l'intérieur de l'entreprise le collectif de travail pour l'accueil des personnes en situation de handicap, les acteurs des entreprises pour savoir quels sont les métiers, comment mobiliser, comment faire appel à la sous-traitance ou à la co-traitance, mais en même temps, faire communiquer même à l'intérieur de l'entreprise, et on le voit nous dans le cadre de certaines conventions qu'on passe avec les entreprises ou dans le cadre des accords, il y a une communication entre les directions achats et les directions des ressources humaines pour qu'ils puissent avoir aussi un travail de préparation que la personne qui, à la fin de la mise à disposition, peut avoir un contrat, soit un CDI, soit un contrat durable, un CDD plus de 6 mois. Je pense qu'il y a la formation et la sensibilisation, la mobilisation des collectifs de travail dans une entreprise, mais en même temps, ce travail de territoire, de terrain, de proximité, et créer aussi la relation entre le droit commun dans le sens service public de l'emploi et les EA et les ESAT. Je peux dire par rapport à cette perspective. Très bien. Ben, merci beaucoup, Monsieur Merabti, pour votre intervention et pour toutes ces pistes en fait qui vont permettre aussi aux acteurs de pouvoir avancer sur ce sujet-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Alors Marion, je te propose qu'on repasse à la question à la session de questions-réponses. Sachez entre-temps que vous allez retrouver sur réseau-gzat.com l'ensemble des résultats qu'on n'a pas pu vous présenter ici, mais là vous retrouverez l'intégralité des résultats de cet observatoire donc sur notre site internet. Marion, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu as quelques questions à nous proposer? Absolument, je suis là et les questions sont nombreuses. Merci Aurélie. Alors, question toujours en lien avec la crise, peut-être question à Patrick Mincen, si vous êtes toujours là. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous parler de l'impact du télétravail, qui est donc une conséquence notoire de la crise Covid, sur la prestation de services sur site? Comment est-ce que ça se passe finalement?
Bon, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses sur ce sujet-là. Disons que les professionnels des ESAT ont télétravaillé pendant le premier confinement. Ils ont télétravaillé non pas tant sur le domaine de la production, mais plutôt en accompagnement des travailleurs qui restaient à domicile et pour s'assurer évidemment que des situations d'isolement ne soient pas trop préjudiciables pour eux-mêmes. Maintenant, peu de productions et d'activités des ESAT sont transférables en télétravail et la population même des ESAT ne nous permet pas d'envisager massivement le recours au télétravail, même si j'imagine que ponctuellement ça peut être possible sur certaines activités, mais ça reste très minoritaire. Merci beaucoup. J'ai une question pour Emmanuel Perret, directeur d'ETRE. Comment peut-on prendre connaissance des 36 recommandations pour des achats responsables de la part de l'État et de l'étude du Club ETRE ? Emmanuel, si vous êtes parmi nous, je vous invite à activer votre micro, qui est désactivé. Oui, bonjour. Eh ben, on peut se connecter au site d'ETRE et puis déjà il y a une partie des dossiers du magazine qui seront dessus. Et puis sinon, je me mettrai en contact pour les informations complémentaires parce que là il y a un certain nombre de demandes qui sont faites. Hein, et je prendrai, enfin voilà, on enverra à la personne qui a posé la question. Très bien. Merci beaucoup. Je reviens à Monsieur Mincent. Nous avons une question d'Eddy Mazurier. Existe-t-il des conventions de trésorerie entre activités ? Je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse là-dessus. Je vous avoue que je sèche. Non, je ne sais pas répondre à ça. Bon, en tout cas, on fera des petites recherches, Monsieur Mazurier, pour vous apporter une réponse. J'enchaîne avec une question peut-être pour toi, Aurélie, une question relative à la cotraitance. Vous avez parlé de cotraitance avec la grande distribution. De quelle manière se traduit cette collaboration ? Question de Patricia Cormon. N'hésitez pas à compléter. Alors, la grande distribution, ça peut être aussi sur des fonctions support. Hein. Il y a notamment des co-traitances qui sont proposées pour pouvoir entretenir, par exemple, les locaux, proposer d'autres types de services liés au facility management à plusieurs entités de grande distribution sur une région. Ça se passe aussi sur la gestion des déchets. Après, on peut aussi imaginer des co-traitances sur des productions propres, des productions alimentaires hein, qui abordait tout à l'heure Patrick Mincent, pour permettre aussi de pouvoir alimenter en ce type de produit tout un ensemble, plusieurs hyper ou plusieurs structures au niveau de la grande distribution. Merci beaucoup. Pour vous donner quelques pistes. Absolument. Claire a d'ailleurs complété dans le chat hein, que on agit aussi en co-traitance sur des marchés de gestion de déchets, d'entretien, des points de vente, nettoyage, espace vert, par exemple. Dernière petite question, si j'ai le temps, on avait une remarque slash question en début de présentation sur les entreprises adaptées et les ESAT. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises adaptées grandissent en quelque sorte et que les ESAT se recentrent? Je ne sais pas si quelqu'un, Aurélie ou peut-être un de nos intervenants veut s'exprimer pour réagir à cette question. Alors, est-ce que les ESAT se recentrent et les entreprises adaptées grandissent? Donc, est-ce qu'on c'est l'idée de dire, en fait, hein, j'essaie de comprendre la question, tu me diras si tu as des compléments là-dessus, hein, Marion. Donc, c'est de savoir comment évolue, en fait, l'offre de services de chacun des deux prestataires. Je pense que dans les deux cas, je suis pas sûre qu'il soit vraiment nécessaire de faire une grosse distinction entre les ESAT et entreprises adaptées, en tout cas sur ces questions-là. On voit que les ESAT, si on prend des créations d'activités assez classiques, ont pris aussi le pli il y a quelques années de pouvoir créer de nouvelles prestations. Je pense à l'entretien de locaux, je pense aux blanchisseries, la blanchisserie aussi.
c'était des activités qu'ils n'avaient pas forcément au sein de leurs activités. Donc on voit cette capacité de pouvoir effectivement se lancer, former des équipes, mener des investissements pour pouvoir investir de nouveaux champs de compétences. Et puis on le rappelle aussi, c'est très stimulé non seulement par la demande des clients, mais aussi par la demande des travailleurs qui eux-mêmes ont des profils qui évoluent, ont des attentes qui évoluent et des compétences qui évoluent. Donc j'aurais tendance à dire que dans les deux cas, on a deux prestataires qui vont être aussi complémentaires sur les offres de services qu'ils peuvent apporter, peut-être un petit peu plus industriel côté ESAT et peut-être un petit peu plus sur les services côté entreprise adaptée, mais que les choses sont complètement poreuses et que dans les deux cas, on peut s'appuyer sur ces prestataires pour pouvoir, en fonction des besoins de chacun des clients, obtenir des services et avoir un partenariat, en tout cas pour répondre à ses besoins. Les deux sont des acteurs de l'économie locale, donc s'adaptent, qu'ils soient ESAT ou EA, à la demande du territoire, et c'est en cela surtout qu'ils revoient et qu'ils réajustent leur offre de services. Parfait, je vous ai posé les grandes questions qui restaient sans réponse, donc je vous laisse reprendre la main. Merci Marion. Alors, on va vous donner à voir la manière dont on a organisé l'observatoire. Vous avez vu aujourd'hui une version vraiment très macro, hein, on a ressorti quelques chiffres clés. Vous seront adressés dans le courant de cette journée l'observatoire dans son intégralité, donc c'est un 48 pages avec des données très fines que nous avons été recherchées tant du côté des prestataires réservatoires que des clients privés publics avec les fameuses pistes pour aller plus loin. Et nous vous adresserons également le dossier spécial du magazine Aide dédié à la sous-traitance. Je pense qu'on peut dire que passer l'exercice 2020 qui a été chahuté concernant notre secteur par la mise en place au 1er janvier de l'obligation, de la nouvelle forme d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, puis par la crise sanitaire de la Covid-19, cet observatoire aujourd'hui peut nous laisser entrevoir une belle éclaircie pour les années à venir. Les clients, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, sont aujourd'hui challengés par les institutionnels, mais aussi et surtout par des attentes des consommateurs finaux sur une dimension plus responsable des produits ou des services commercialisés par leur entreprise. Les entreprises et les organismes publics l'ont bien compris, les prestataires ESAT et EA aujourd'hui n'apportent pas qu'une réponse à leur obligation d'emploi de travailler en situation de handicap. Ça va sur une dimension business et aujourd'hui, en s'associant avec un prestataire ESAT EA, l'entreprise notamment s'assure des parts de marché pour demain. C'est en consommant local que l'entreprise et l'acheteur créent du dynamisme économique sur les territoires, gèrent son impact environnemental et concourent ainsi à la possibilité d'inclure sur les territoires les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi. On est en recourant aujourd'hui au service d'un prestataire adaptatoire sur une réponse au triptyque global de la RSE, local, environnemental et inclusion. Face à cela, le réseau GESAT demain sera aux côtés des entreprises pour pousser plus loin les coopérations et les collaborations entre les 2250 prestataires ESATOA et leurs futurs clients, en accompagnant les clients, qu'ils soient privés ou publics, dans le développement de leurs relations économiques et inclusives avec les prestataires ESATOA. On sera également là pour accompagner les ESAT et les EA à se lancer dans de nouveaux métiers, apporter de nouvelles solutions au marché, notamment en créant de nouvelles collaborations avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens large, et notamment avec nos confrères de l'insertion par l'activité économique. Il y a fort à parier qu'avec ces nouvelles formules de coopération demain, on concourra tous à la fois au développement économique des territoires, à la réduction de l'impact environnemental, mais aussi et surtout à l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi au sens large. Je remercie vivement Aurélie pour cette brillante présentation. On vous adressera tous ces documents dans l'après-midi et n'hésitez pas à poser des questions, à poursuivre les échanges en échangeant directement avec nous par mail sur contact@reseau-gesat.com. Merci et à très bientôt. À très bientôt, merci.